BC, c'est un projet qui est basé sur une collection de livres qui ont été collectionnés par le directeur artistique et qui sont rangés dans la maison par thème. Il y a l'architecture, l'atelier bois, textile, histoire, illusion, nature esthétique, cuisine. Et à partir de ces livres, nous, on va aller chercher énormément d'inspiration pour créer en fait un atelier avec les enfants. Et donc, c'est l'apprentissage à travers les livres et l'art. ABC is een beetje een laboratorium. Een laboratorium zowel op het niveau van met kinderen werken, maar ook met wat we uitproberen. Wij zijn geen tekenschool, wij gaan kinderen ook niet leren tekenen, maar wij proberen van alles uit. We willen ze zoveel mogelijk dingen laten ontdekken aan de hand van mooie beelden. Laboratorium rond creatieve, artistieke elementen. Het is echt de bedoeling om kinderen doorheen al die verschillende dingen mee te nemen en ze daarvoor te interageren, prikkels meegeven. Donc l'aménagement de l'espace est aussi très central dans le projet. ABC fait beaucoup d'aménagement d'espace et réfléchit très fort à la présentation et à la qualité du matériel présent. Et donc tous les meubles ils sont faits sur mesure et réfléchis par rapport à la présentation du livre, des matériaux, etc., des activités. It's important because we work really closely together with a team of teachers, for example, who work in the environment. So they have specific demands and they have their own way of working, which then we try to fill in. No importa en qué, si uno trabaja en la oficina o en el taller o en el más administrativo, los proyectos siempre son compartidos y cada uno tiene un punto de vista y que comparte el proyecto, ¿cierto? Entonces, eso lo hace para mí un lugar muy interesante y muchos de los que trabajamos acá tenemos hijos. Entonces, claro, tenemos un poco la concepción de que, ¿cómo sería que...? O a veces probamos los mismos prototipos con nuestra familia. There we can also build some prototypes for, like this one for example. Then we give it to them, bring it to them, and then they can try it with the children, with the teachers, they can give feedback, we can adjust it, we can rethink it again, rebuild it again, redesign it again. Primero que nada está la ergonometría del niño, o sea el tamaño. Para qué edad va dirigido el mueble. Y en base a eso hay como un estándar de alturas, de medidas, la seguridad también, que tiene que tener el mueble para que no sea peligroso, para que sea bien terminado, para que no haya esquinas peligrosas que puedan dañarse. L'aménagement de l'espace est un aide pédagogique en soi. Donc c'est comme si on avait une deuxième personne avec soi qui vous aide à gérer un groupe. Donc simplement le fait d'aménager l'espace, c'est se simplifier déjà la manière de travailler. Donc c'est complètement différent si on rentre dans un espace chaotique, tout noir, si je mets mes chaises toutes frontales ou si je vais créer un cercle, etc. Je dis déjà un message à mon groupe et je vais déjà m'en servir en fait dans l'histoire que je vais raconter aux enfants.